Salut les gens, c'est Slan, on se retrouve sur Per Aspera et on est reparti. On vient de trouver une nouvelle mine d'aluminium, ce qui va nous permettre d'accélérer un petit peu la donne. Pour autant, on a une zone ici, un quartier à développer. Il nous faut un scanner, il nous faut un drone de maintenance. Ça y est, ça c'est bon ça. Ça c'est vraiment bon. On avait tellement besoin de plus. C'est excellent. Donc ici, on va augmenter ça. Et ça, et ça. On augmente tout ça. C'est dommage ces absences de priorité. C'est-à-dire de priorité dans les priorités. Tout a la même priorité en fait. Ou l'autre. C'est prioritaire ou pas prioritaire? Ça, c'est compliqué quand même pour gérer des constructions. Voilà. Le Food Factory et Spaceport. On va voir où on en est. Il faut un drone de maintenance ici. Et un spaceport. C'est mon nouveau quartier. Peut-être pas, non, peut-être pas, peut-être pas. On va peut-être pas construire comme un crétin un peu partout. Même le worker hub, on fait d'abord le logical scanner et après on vit notre vie. Il va me falloir plus de hubs, je pense. Ici, là, pour la bouffe, il me faut un hub. Alors. Maintenant, ce drone, j'en ai un. Qui s'occupe des réparations, qu'on est bien. Très bien. Là, à nouveau une mine qui produit. Là aussi, tout ça on produit. Voilà, tout ça. On a de moins en moins de verre. Pourquoi? Je l'ai coupé ou quoi? Silicone, ça suffit pas? Est-ce que c'est la truc de produit qui fait tout? Ouais. De produits électroniques. Et plus qu'un verre là justement et on y sera. Pas mal. On commence à avoir un petit peu d'espace où construire. Je trouve que j'identifie très mal les bâtiments en fait. Voilà. Là, je peux les identifier mieux, mais bon. On aura envie de mettre tous les bâtiments pareils, côte à côte. Pas tellement faisable.
Avec le terrain en plus. Après, dans certains cas, il faudrait combiner deux ressources et mettre tout un système d'exploitation autonome au même endroit avec le worker, l'usine, l'approvisionnement, la mine, la conversion, les relier entre eux. Et dire cette usine, elle ne sert à produire que de ça, mais je ne sais pas si c'est possible. Pas moyen de relier les trucs entre eux, quoi. De façon exclusive. Bon, en tout cas là. Ici on approche de la fin, il manque un petit peu de glace. Ici il manque de tout. En quantité. Voilà la glace qui arrive. Excellent. Après on lance le scanner et on attendra que le scanner ait fait son taf en fait. Les drones on est à 3 sur 3, j'y crois pas une seconde. Non. De mémoire, on devrait être à 4 sur 4. Et donc, ça veut dire qu'ici, on peut en construire un. On devrait pouvoir être à 4 sur 3, ce qui est formidable. Tu n'as qu'une seule priorité? Ouais, on est d'accord. Ok, attendez où ici? Bah t'as besoin de beaucoup de ressources. C'est un peu longuet là, mais je pense que c'est parce que j'ai pas... optimiser mes systèmes. C'est une partie où on est un petit peu forcé à partir comme ci, comme ça. J'aurais bien aimé pouvoir faire une zone où je produis de ça, une zone où je produis de ça, etc. Sans s'occuper des mines. Parce que les mines sont réparties partout. Alors, on en est où là? C'est pas mal, c'est pas mal. Manque un peu d'alu. Manque un petit peu d'électronique. Ici, on en est où? La chemical plant. Pas besoin de. Ah, et la food factory, elle fonctionne. Tu fonctionnes ou tu fonctionnes pas? T'es pleine en fait. Alors, colonie. C'est quoi ça, 20 RP? Des points de recherche, on dirait, hein? Oh là, c'est tombé où? Alors du silicone.
Allez hop. On accélère ça et ça pour avoir plus de silicone. Pour faire plus de verre. Et plus de produits électroniques. Je crois que j'ai entendu un truc se construire. Est-ce que c'était ici? Non, ça aurait été trop beau. Ah mais c'est pas loin. C'est quoi que tu produis toi? Tu fais du carbone, des chemicals et des polymères pour faire de la... Non, c'est la Polymer Factory. Ok. Il nous en faut partout, ça, de ces produits électroniques. Alors. On est pas mal. Ça, c'est bien les matières premières. C'est comme ça qu'on voit ce qu'on doit construire, ce qu'on doit miner. Là, on voit ce qui nous manque effectivement pour construire. Du verre et d'électronique. Ah, excellent ici. On va pouvoir commencer à installer d'abord le worker et après le spatioport. On va essayer de tourner autour du spatioport. Je veux savoir ce que tu fais toi. Ah, c'est un maintenance unit, c'est une maintenance unit. Aller maintenant, c'est du coup, j'imagine. Et ça, je sais pas non plus, mais ça fait du bruit. Ok, Silicon Mine, c'est bien que ça avance. Parce que là, c'est vraiment ce qui nous manque le plus. Excellent. Parfait. En fait, faut faire vachement gaffe ici aux ressources. Et je pense aussi qu'il va falloir que je fasse gaffe à mon trafic. Ouais, le worker là, ici, il est pas bon. Hein. Beaucoup trop de travail pour ce worker là. On va faire deux workers en priorité. Un là. Elle est en priorité. Allez, fais-moi ça. Là, il n'y a plus de priorité à avoir. Coupe-moi ça. Et là-bas, coupe-moi ça. Il n'y a plus de priorité non plus. Là, on va faire un autre worker ici. Ouais, ça manque clairement de worker. Quatre sur quatre. Il est plus worker lui. Donc on compte pas comme on pourrait.
Ok, ici, il n'y a rien à urger. On va attendre qu'il ait fini ces deux cases là et normalement on devrait pouvoir installer un spécioport. Worker up, excellent. De verre, on manque d'électronique, mais comme on manque de silicone, a priori pour l'instant il n'y a pas de décision à prendre. Là. Alors là, ma nouvelle zone. Ouais, allez, on va le mettre hein, le spatioport. Hein. Ici, on est tranquille. On est à l'abri de toutes circonstances aggravantes. Comme une mine en dessous. Ça pique. Ah, il a été construit là. Waouh. Très bien. On manque encore un petit peu de silicone. Hein. Là, il faut que je mette un worker, clairement. Pourquoi là, il n'y a rien là? Pourquoi t'es pas relié aux autres? M'arrange pas, c'est moche. Nous y voilà. Ça va les workers, on a beau les construire. Par contre, 40 sur 100, mais ça va tellement vite. Ça va tellement vite, comment je vais équilibrer moi? Comment je vais arriver au moment où, où j'ai un équilibre? Ça va là, il pète pas un peu les plombs là dans ce qu'il me demande? Il se sent pas mal à l'aise. Les drones. Ça, c'est le scan. Mm-hmm.
T'es en train de réfléchir à comment j'allais faire pour réduire le nombre de bâtiments. Après, si on allait avoir des upgrades, si on allait avoir des technologies, des moyens de délocaliser tout ça, de miner de façon plus vaste. S'il y a des grosses zones, hein, là on l'a vu, hein, ici. Là, des grosses zones qui changent tout. Voilà, il doit y avoir moyen de miner de façon plus généraliste. Mais c'est très rigolo. Là, c'est joli comme ça. Alors, le passeport, il n'est pas pour tout de suite, hein. On manque encore de pas mal de ressources pour pouvoir le construire. Je me demande quel est le ratio à peu près qu'il faut faire entre le trafic et le nombre de bâtiments. Le spaceport est en train d'arriver à mi-chemin à peu près. Ouais, pas tant que ça, hein. Il est plutôt à 3 huitièmes, 37,5%. Bon, là maintenant ça se passe bien. Compte secteur là, secteur load. Là ça devait se séparer là, quand il aura été construit celui-là. Eh ben nous on va s'arrêter là, encore une fois on s'arrête, ça va tellement vite, tellement vite. Je serai vous, hein, j'attendrai la fin pour tout regarder d'un coup, tellement c'est stressant de devoir s'arrêter. Même moi pour tourner, ça m'angoisse de m'arrêter comme ça au bout de 20 minutes et de me dire allez hop, on passe à l'épisode suivant. Mais c'est ça où je vous fais des vidéos plus rapidement et puis après il n'y a plus rien avant la sortie, je préfère enchaîner pour continuer le let's play une fois la sortie. Merci d'avoir regardé, j'espère que ça vous a plu, et à tout de suite pour la suite. Thank you.